J'ai oublié un petit truc. La caméra. Voilà. Salut à tous. Et voilà. Bon, on est parti sur Assassin's Creed. Si je prends pas la bonne manette, ça va pas le faire. Hop. Et on reprend à... On reprend la séquence 3. Donc nous arrivons à Monteriggioni. La ville qui va nous permettre... Nous y sommes presque. Grazie a Dio. D'établir une base. Par ici, allons-y. Ok, ça me paraît bien sombre pour Monteriggioni. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio. Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux. Deux nouveaux destriers. Une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, j'oubliais, mes condoléances pour ton père et tes frères. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide? Tu ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta sœur. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Là-bas! Arrête! Oh, rattrapez-le! Ah, c'est quand même mieux avec une épée, hein. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Mario. It's me, Mario. Ça faisait longtemps, Ezio. La petite blague cachée en anglais. J'ai It's me, Mario. Ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y ressemble un peu, hein, quand même. Gros pif, moustache. Si on regarde bien. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle,
Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans ? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Salut Vénose. Tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce Comment tu vas ? Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai ? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Homme sweet. Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail ? Comment ça ? Ouais, Claire. Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Les lives, ça date ? Non, je vais continuer. Et maintenant, j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père ? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire ? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit ? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous ? Mais où avais-tu la tête, Giovanni ? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Le truc est le plus haut possible de mémoire. Bon, ça va être le temps de récupérer le point d'aigle. Vénos, t'as oublié slash. En fait, c'est point d'exclamation morph espace Kiba Ranger. Mais je comprends toujours pas pourquoi chez toi ça ne marche pas. Enfin, pour toi spécifiquement. Parce que ce qui est bizarre, c'est que le truc il est vraiment associé pour toi. Ah, il est là le point. J'aime pas du tout la couleur de Banter et Juni. Fait un peu crado. Je vais regarder si à l'intérieur je peux pas. Et voilà, c'est mieux. Donc ça sera le truc pour améliorer toute la ville de Monte Regioni. Que deviens-tu depuis le temps ? T'étais en vacances, non ? Vous ne trouverez pas de meilleur prix qu'ici ! Regardez mes articles ! Alors, des jambières. Et une dague. Revenez nous voir. Voilà. J'ai ma dague. J'ai mon épée. J'ai ma lame. Je soigne tous les enfants. Ouais, ça fait ville polluée, t'as raison. Bientôt, vous vous sentirez mieux, vous verrez. Voilà, ils nous apprennent à... à se servir des différents... des différentes échoppes. Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais.
Ok, pas de problème, à plus tard. C'est sympa d'être passé, Venose. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Alors, en même temps, je contrôle juste un petit truc. Parce que je suis en train de commencer à uploader toutes les vidéos là, que j'ai fait jusque-là. Et il y en a pas mal là. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun problème. Mais j'en ai certaines que je dois reconvertir. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier ? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Ben. Je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père. Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse attendre. C'est... Plus vite! J'ai rendu... Je me suis fait démonter au passage. Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois, maintenant. Oui. Mon père était... un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? C'est un ordre de chevalier fondé à l'époque des Croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans. Mais la réalité... S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Jamais la fin de la conversation du coup. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci. Ah, je t'ai défoncé la gueule, quoi. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Bon, je vais pouvoir la rénover, la maison. Ouais, ça a l'air de... Ça a l'air d'être bon. Même pas encore.
oncle ? Mais où sont-ils tous ? Partis à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Elle est où Maria? Elle est là-haut à tous les coups. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Donc là, ce sera l'endroit de ma... de là où je pourrais me reposer, entre guillemets. On aura les portraits de tous ceux qu'on a assassinés. Il y a des coffres. On en a assassiné qu'un seul jusque là. Il me semblait que ça avait été un peu plus fructueux. Ok, bon. Est-ce que Claudia est... Non, toujours pas. Bon, je ne pourrais pas améliorer tout de suite mon taille, Johnny. C'est dommage, c'est dommage. Je propose des arts. Je regarde ce que je peux acheter et ce que je peux du coup améliorer. Ça fait un plaisir, signore. Mais du coup, il faut que je retourne à la villa. Alors, les petites armes, c'est où déjà ? Qu'elles sont toutes au même endroit. Voilà. Alors, si je prends la dague, je perds. En fait, je vais garder le petit couteau. Ok. Et normalement, j'ai tout en cuir, je crois. Voyons voir les plastrons. Ouais, c'est une baie commune que j'ai. Alors, les plastrons, c'est ici, je crois. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Non, il manque épaulière, ça doit être les bras. Ok. Ok, donc il manque les protections de bras. Ok, bon, bah, en attendant... Je vais aller continuer l'aventure. En fait, plus on va acheter de matériel pour le...
sur le de défense, et plus la vie va augmenter en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Allez, on part vers la Toscane. Ezio, que viens-tu faire ici? Bah, je viens t'accompagner. Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe, je veux vous aider. Pas bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Non, je vais peut-être pas... je vais peut-être éviter de prendre le cheval pour ça. C'est une mission qui se fait à pied. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Tu m'as pas vu. Ouais, peut-être fouiller un peu les cadavres. Voir pour récupérer un peu d'argent. Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Tu n'as rien à faire là-haut. Je suis en bas. Pourquoi tu me dis que je suis là-haut? Je dois partir. On sait jamais, hein. Je prends... Ah bah voilà, déjà j'ai récupéré un couteau de lancer. Bon, il y a un peu de thune au passage. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé.
Je prépare Thierry au juste. Ben, on est avec toi. Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi toutes ces patrouilles? Et je vous referai un signe pour avancer. Voilà, ok. Ils vont se débrouiller, hein. Quoique, ils ont l'air un peu de galérer là tout seul, hein. Bon, je vais en profiter pour arracher une ou deux affiches. Voilà, la notoriété baissée. Évitons d'attirer le moins possible les regards. Ah, et une tour. Pas loin. Bon, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Comme ça j'aurai la carte, j'aurai une meilleure vue d'ensemble du coin. Un autre coffre. Hey Tio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ok, mission sauvetage. C'est dingue, ça rame un peu. Arrête, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé. Les hommes de guerre. Thank you.
Bon, est-ce que je pourrais ramasser quelques petits trucs sur les corps? Ce que j'aime bien, c'est la position de certains gardes quand ils sont morts. Bon, va falloir que je fasse baisser un peu la notoriété là. Là. Bon, ça rame, mais je ne sais pas pourquoi. Tiens, il y a une tour. Il y a une tour et il y a une affiche de notoriété. Enlever. Je ne vais pas par là, chef. Je la vois pas. Elle est là. Alors que je rentre par un autre endroit. C'est pour rien. Allez, bim! Je prépare mon travail. Pas savoir, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Ah, il faut que je revienne juste là? Ne me laissez pas s'enfuir! En fait, ce qui est bizarre, c'est que je suis revenu dans le temps, mais j'ai gardé et la carte et le et l'argent. Ah!
Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Pierre nous ont tendu une embuscade, et nous ne savons plus où donner d'attaque. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vierry, et que justice soit faite. Ah, ça y est. Je suis entièrement... traçable par les gardes. Il y en a un qui est pas mort là. Qui finit à la côté. Bon, alors la tour. Non, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, cette tour. Ce jour est béni des dieux. Deux artistes aux talents rares et au style inimitable viennent de rejoindre mon atelier. Nous sommes en mesure. Oh, allez, une mémoire. Le passé. Un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors, 64 cases, décrypter le fichier. Alors... Il va falloir remettre dans l'ordre le ce petit casse-tête. Le problème, c'est que... Non, ça va. Encore celui-là, il est simple. Il y a certains cercles qui font tourner d'autres. Alors, le fragment d'Eden 2. Napoléon. Alors, là, non, c'est pareil. Et ça ne fait tourner qu'un seul truc. Le fragment d'Eden numéro 1. Et voilà, George Washington qui avait le fragment d'Eden numéro 3. Bon, la tour est encore plus haut. Bah, il était juste là. Et un mec a plus...
par ici. Arrêtez-le. J'ai à faire un petit play. Alors là, il y a une page du codex. Je vais aller la prendre. Soyez pas timide. Oh, désolé, c'est ma faute. Votre attention. Nos articles sont fabriqués dans les meilleures forges du pays. Si vous êtes... Rien à voir dans tout ça. Si, totalement. Je ne peux pas vous suivre. Je prends un autre chemin. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Néa. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Comandante! Comandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Bon, bah le but, ça va être de défoncer Fieri. Il est en hauteur ou quoi? Je ne pouvais pas faire ça. Ok, donc il est en hauteur. Voilà.
Je te poignarde et je te défonce. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort. Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Ça y est, c'est déjà la fin de la séquence. Bon bah, ça fut rapide. Bah, en revanche, j'ai l'impression que la Xbox a du mal, hein. Là. Je sais pas pourquoi. Voir l'ADN. Non, c'est pas encore fini. Notre campione, Ezio. Gloire à Ezio. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme, un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. J'avais pas fait gaffe que... Messer Francesco, j'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous.
S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. Tu les reconnais ? D'autres pages du Codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte ? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il ? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc ? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Je voudrais voir un petit truc. Non, c'est toujours la séquence 3. Commençons avec la page que tu as prise, Xavier. De toute façon, ça changera. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la-moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Chose que j'ai déjà fait. Essayer de trouver le point d'extraction du sujet 16. Il est quelque part, mais où ? Là. Il ressemble à une fenêtre, on dirait, si on n'y fait pas gaffe. Il se transmet. Les fragments d'Éden. Qui est juste là. Voilà.
une page du codex à l'air libre. Faut que je trouve les 4 pages du codex, d'accord. C'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Alors voyons voir sur la carte où est-ce qu'il y en a d'autres. Il y en a une qui est un peu loin. Tiens, est-ce que je peux pas acheter quelque chose ? Non, on verra après. J'ai pas les protège-bras. Bon, il n'y a qu'une seule sortie ici, c'est là-bas. Mes prix sont si bas que vous n'en croirez pas vos yeux. Eh bien, calme-toi, mon ami. Ah, ça y est. Ah, la séquence 3. Non, c'est la mémoire 3 ou la séquence 3 qui est terminée. C'est pas clair.
Ascolte, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Ok, alors on va ramettre des échoppes. Ah non, c'est faudra que j'aille sur le truc. D'abord, est-ce que je peux... Non, toujours pas. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Sir Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors, tout deviendrait possible. Vous devez être Sir Ezio. Je me trompe? Oui, c'est moi. Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des échoppes. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Sir Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Totalement. On va mettre la banque. Et le marchand d'art. Et le tailleur. Parce que après, c'est des gros bâtiments. Mais il me faudra. Enfin, c'est des gros bâtiments. Il faudra que je rénove tout ça. Bon voyage! Histoire de faire. Histoire de rénover bien tout ce qu'il faut. Bon, ça va me faire gagner un peu d'argent, déjà. Ça va apparaître, genre ça augmente toutes les 20 minutes dans le coffre. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait? Il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance.
Ouais, bien sûr qu'on aura de la chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Et normalement, c'est le début d'une nouvelle séquence, là. Je crois. Ouais, c'est le début d'une nouvelle séquence. Donc, on va s'arrêter là. Non, toujours pas ? Enfin, si. Normalement, quand ça fait ça, c'est le début d'une nouvelle séquence. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et puis, je sais pas si je vais streamer tout à l'heure. Ça va dépendre si je suis en forme. Mais on se tient au courant. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, on se dit à très très vite. Ciao.